C'est une discipline qui est très à la mode depuis les années 80, on peut dire. Hein. Moins, bon poids, bon eh poids. Oui. C'est quoi? De quoi on parle? Bah, le skateboard, bien entendu. C'est vrai qu'on avait parlé de Véronica et Davina, des années 80. Vous savez qu'elle est devenue bouddhiste? C'est vrai. La brune. Mais oui, on a vu ça dans tous les magazines. Rien à voir. Non, elle n'est pas morte. Pourquoi vous dites ça? Elle est en désespoir. On ne sait pas. Mais elles se sont séparées, c'est horrible pour elle. Bon, je sais pas, bouddhiste, elle a l'air contente, hein, je vous jure, elle a l'air bien sur les photos, elle a témoigné. Elle est allée chercher chez le Dalai Lama, parce qu'elle n'avait pas la maison. Elle est super bien, bah oui, elle a trouvé la paix de l'âme et la sérénité. Et si elle avait fait du skateboard de tout. Ah, hein. Si elle avait fait du skateboard, bah, ça serait une autre destinée. Alors comment ça se passe? Alors comment ça, bah, ça se passe plutôt bien le skateboard. Déjà un peu d'histoire, est-ce que vous savez comment est né le skateboard? C'est toujours assez drôle. Aux États-Unis, moi je dirais. Tout à fait, bonne réponse. Stan, vous qui êtes skateur. Oui, j'étais quand j'étais jeune, mais après je me suis pété la cheville à chaque fois. Donc j'ai arrêté. Et j'ai rencontré le monsieur qui tient le skateboard à Belle-Dommée, il est très friche, sympa. Ouais, ouais. On va y aller justement dans quelques instants. Donc le skateboard, en fait, au départ, c'était de la trottinette. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens qui n'avaient pas les moyens, en fait, ont récupéré tout simplement le corps de la trottinette. Voilà. Et ils ont gardé en fait les roues et les patins. Et ils ont scié et cloué une planche en bois dessus. Est né le skateboard, tout simplement. D'accord, voilà. Dans Retour vers le futur. En fait. Exactement, on le voit dans Retour vers le futur. D'ailleurs, ils ont enlevé du coup après le guidon pour faire le skateboard. On n'a pas encore réinventé le skateboard qui flotte dans les airs, mais bientôt. Ah, on pourrait, ouais. Je suis sûr, après l'élection présidentielle, il va y avoir un truc comme ça. 82 ans plus tard, on se retrouve du coup à Marseille. Le skateboard a évolué et je suis allé... 82 ans, ça a 82 ans le skate? 1930. Ah le ouais, premier. Quand même. Ouais, quand même. Je vous ai dit années 80, vous ne m'avez pas démenti. J'ai pas. Quand je vous ai dit années 80, vous ne m'avez rien dit. Mais parce que le gros du skateboard, c'est années 80. Ah, voilà. Hein. Vous avez je sais que vous n'aimez pas me contrarier, non, mais en même temps. Pas du tout. Non. Donc du coup, je me suis rendu chez BSM, hein, Board Spirit Marseille, une association qui est à la Friche Belle-Dommée, juste à côté de chez nous, à LCM. En fait, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est une association pour la promotion de la glisse et le développement de l'art urbain, et notamment du skatepark de la Friche Belle-Dommée, qui est l'un des plus beaux skateparks et de Marseille et d'Europe, réputé. Il y a des riders du monde entier qui viennent skater chez nous à Marseille. Je vous propose de regarder à quoi il ressemble. Il a été inauguré en 2009. Vous entendez ce petit bruit, hein, de basket et de claquement de planche, oui. dans le skatepark. Un joli bruit. Exactement. Mais léger quelque part, on sent que finalement il y a du rythme et tout en. Exactement, c'est tout à fait feutré. Alors je suis allé rencontrer, il y a à peu près 200 skateurs à la Friche, et je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi, eux, le skateboard. Pourquoi? C'est ma passion, j'aime ça, depuis petit j'en fais. Je vois tous mes potes en faire, donc voilà, ça m'a donné envie. C'est pas vraiment pareil que les autres sports, c'est vraiment une mentalité différente. C'est un peu un sport de liberté, où on peut évoluer... chacun selon notre niveau et autant avec le temps qu'on veut. Ça entraîne les jambes et tout, faire des sauts, voilà. C'est marrant après. Bah essayez parce que franchement c'est bien. C'est l'histoire de se déplacer, les figures, ça m'a fait envie. Et je trouve que les skaters ils sont cool, donc ça m'a donné envie. Dès que j'ai vu la première vidéo de skateboard, et ben je me suis dit que ça c'était super comme sport. Représentatif de mon spectacle. Et oui, on parle pendant les extraits. Ça m'intéresse pas du tout, hein, le skateboard. Vous sortez, allez, ça suffit. Vous voulez faire un parallèle? Non, mais ça marchait pas. En même temps, il a raison, Stan est là pour être son spectacle. En même temps, pourquoi pas ne pas faire le spectacle au skatepark? Ah, mais pourquoi pas un jour, hein, et mixer sport et culture. Bref, le skatepark, je vous le disais, c'est l'un des plus beaux d'Europe. Je suis allé voir en fait l'un des professeurs de l'association BSM qui nous parle de son lieu de vie, le skatepark de Marseille. Pourquoi est-il le plus beau? La réponse. L'objectif principal, ça a été de reformer tous les modules qu'on peut trouver dans la rue skateables. Sauf qu'ici, c'est plus sécurisé parce que dans la rue, des fois, on se fait virer ou des fois, c'est abîmé, donc on ne peut pas skater. L'avantage ici, c'est que c'est surveillé, donc on va dire qu'entre guillemets, pas n'importe qui peut rentrer. C'est uniquement réservé aux skaters. Et en plus de ça, voilà, c'est plus sécurisé au niveau des modules. Et en plus, l'avantage de ce skatepark, c'est qu'il est à l'air libre. Donc ça, au moins, ça permet de faire du skate dehors et pas enfermé
au chaud et de transpirer comme un malade. Quoi. Au moins là on prend l'air, on a tout notre temps devant nous, il fait beau, c'est parfait. Quoi. Il fait beau, c'est parfait. Et si ça vous tente justement, il y a des stages qui sont organisés, des stages de skate, mais pas que. Regardez, c'est hyper intéressant. Il y a des stages de pratique du skateboard, donc c'est simplement apprendre à skater ou se perfectionner en skateboard selon son niveau. Et ensuite, il y a des stages de pratique croisés, c'est-à-dire donc stage skate et graph, apprentissage des esquisses, manipulation du posca, manipulation des bombes. Et en fait, à la fin de la semaine, ils ont réalisé une vraie fresque avec un intervenant graffeur professionnel. Ils font aussi des stages skate et vidéo, donc où là, ils apprennent à skater tout en filmant, à prendre les différents points de vue, les angles de vue, utiliser des objectifs propres au filming skateboard. Pas mal, hein? Très bien. D'apprendre à faire de la vidéo en même temps que skater. Alors, il y a un autre rendez-vous le 3 juin au skatepark de la Belle de Metz. C'est la finale du championnat départemental. En fait, l'association est allée chercher les tout meilleurs skateurs amateurs partout dans les Bouches-du-Rhône. Les tout meilleurs? Ouais. Mmh. On dit ça, non? Oh, bien sûr. Vous êtes j'ai super rien dit. Moqueuse. En tout cas, ça se dit maintenant. En tout cas, ça se dit maintenant, voilà. Les meilleurs riders du département sont chez nous le 3 juin prochain, donc à la Friche Belle de Mai. Voilà, c'est gratuit, il faut y aller, il faut découvrir le skate. Ouais. Et vous avez un site internet pour tout ça, c'est le site bsm-skateboard-association.com, tout simplement. Merci beaucoup. Et c'est gratuit le skate park si vous voulez y aller tous les jours. De 8h du matin à minuit. De 8h à minuit. Vous répétez très bien, mon petit perroquet. Je suis un très bon perroquet.